Au niveau des réseaux sociaux, il faut distinguer deux cas de figure. Le fait que, par exemple, quelqu'un ait une vidéo qui soit très suivie, très likée. Bon, c'est une chose. Mais ça peut être une seule vidéo qui, ponctuellement, a beaucoup d'impact. Et puis, l'autre cas de figure, c'est quelqu'un qui a des milliers, des dizaines de milliers de références diverses sur des domaines différents, à part qu'il a fait des publications différentes. Et c'est pas du tout la même chose. Dans un cas, on est quelque chose de ponctuel, même si c'est puissant. Dans un cas, on a quelque chose qui s'étend dans le temps et dans l'espace. Quelqu'un qui est un influenceur de grande envergure et qui, sur des années, a marqué, a été marquant par ses publications, ses ouvrages, ses prises de parole, etc., etc., ses initiatives diverses. Donc, là encore, on voit bien qu'il y a une confusion plus ou moins délibérée à mettre sur le même pied une action ponctuelle qui a été très reçue et, d'autre côté, une action qui s'est multipliée, qui s'est diversifiée, qui s'est intensifiée à différents moments et qui permet de faire le point sur une carrière. Et ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que malgré la vogue des réseaux sociaux et d'Internet, quand les gens vous rencontrent, ils ne vous demandent pas forcément comment vous appelez. Alors ça me paraît fondamental. Dites-moi votre nom et j'aurai quand même une certaine idée de votre dimension. Bon. Et ça n'est pas fait, ce qui montre bien que la façon dont les gens abordent Internet est assez particulière en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas d'une cohérence absolue. Par exemple, j'ai des amis comme ça, quand sur certains sujets, j'aurais dit, mais depuis l'autre jour, est-ce que vous avez été vérifié quelque chose? Non, je n'ai pas été vérifié. Donc, on pourrait très bien imaginer que dans une réunion, il y a quelqu'un qui a un téléphone qui va vérifier un certain nombre de, ou arbitrer sur un certain nombre de sujets qui sont en débat. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que les gens se servent d'Internet, finalement.